Alors, bienvenue fidèles amis et habitués de Mbujimayi, ma ville. Vous nous suivez en direct de partout dans le monde. Nous sommes en Mbujimayi, sur l'avenue Kasavubu, entre Mobile et Misesa. J'espère que récemment, il y avait polémique autour de l'épaisseur de l'asphalte que fournit l'entreprise Afrimex. Nous sommes ici avec l'ingénieur Bosco, qui va essayer de nous en dire plus, parce qu'à voir, c'est quand même épais, mais des fois les gens disent que Safrimex fournit un travail de moins de qualité. Mais sur place, c'est le contraire et l'ingénieur Bosco va nous en parler. Ingénieur Bosco, bonjour. Vous pouvez situer à nos abonnés, nous sommes où actuellement? Notre question est liée à l'épaisseur. Je ne sais pas comment vous appelez ça et quelle est l'épaisseur que vous que Safrimex fournit actuellement. Ce sont les termes plus techniques, voilà. Oui, en fait, la couche de roulement. Ouais. Donc vous êtes dans les normes. Dans les normes. D'accord. Merci beaucoup, ingénieur. Voilà, c'était la question liée à l'épaisseur de la couche du roulement. J'espère que récemment ça faisait débat au sein de l'opinion, que ça Safrimex met une couche de roulement qui est tellement fine, certains parlaient de moins de 3 cm, mais j'espère que vous êtes en train de voir. Ici, c'est avant compactage, tel que l'ingénieur Bosco nous l'a expliqué, et on va vous faire voir après compactage. La couche de roulement, j'espère que c'est très bien visible. Vous voyez que c'est plus de 5 cm. Alors, j'espère que ceux qui doutaient encore sont bien fixés.
sur la qualité du travail que fournit l'entreprise Safrimex dans la ville de Mbujimayi. On va poursuivre avec notre live pour vous montrer l'évolution de ces travaux qui sont exécutés sur l'avenue Kasavubu par l'entreprise Safrimex.
Capaz, ya, bueno, y tan directo.